quoi d'étonnant que vous avez un paquet de bagailles qui en bas la main en bas la gounave. Mais, pas oublier, les Christophe Colomb vini en 1492, te gon affaire de flibustier boucanier, nèg yo t'ap pral nan toute Amérique centrale là, toute Amérique centrale là pour y aller prendre l'or. Et puis, zone Haïti à cause de forme Haïti en nuant, c'est là où te gon vini caché. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans bataille pour l'or que vous fin pillé, car tout indien yo, yo coulé au large de Haïti. C'est comme ça, dans la baie de Port-au-Prince, ma pouvons carte là, montrez-nous. Tu tiens la carte avec moi. C'est comme ça, nous faisons tout relevé à ce carte là. Nous avons, ouais, dans la baie de Port-au-Prince, au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémie, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie, là, de Port-de-Paix, nous avons combien de galions nous avons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de l'île Lavache, nous avons toute la flotte de Morgan. Mais on a pile l'allusion sur eux. Technologie pour nous prendre, c'est Bertre Bear Junior, qui était fait déjà pour Balaguer. Côté le tal prend un bateau pour Balaguer. Et bateau ça, monsieur, pour le film dans Haïti, dans l'Ispan, il montait comment le faire pour le prendre. Et bateau ça a été rapporté à Balaguer 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili, qui fait stabiliser les pesos là et développer un paquet de bagailles. Et contrat là, il m'a dénoncé, il s'agit simplement que nous avons volonté politique, que l'exécutif, le législatif et nous-mêmes peuple là et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif non et puis tout va marcher douce, peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre li, depuis 69, que vous nous-mêmes haïtiens t'apprenons des mesures et des dispositions parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit, qui descendent en bas de l'eau, qui volent fortune. Non.